Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle tier list sur les personnages les plus safe, les personnages qui ont tendance à le plus s'en sortir de situations délicates. Alors on va essayer d'analyser leur kit de sort et d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment. On retrouvera pas mal de picks qu'on voit sur la scène professionnelle parce que généralement on aime bien avoir un kit de sort qui permet de faire des dégâts, oui, c'est le but d'un assassin, mais surtout de pas forcément, quand on sait commit, c'est l'action d'utiliser suffisamment de sorts pour ne plus être jamais capable de sortir du fight et de forcément mourir. C'est aussi le pourquoi du comment. Dans cette, je fais cette tier list, c'est pour vous donner des pistes de choix de Dieu, qui n'est pas de partir sur des choix où vous allez dire « bah oui, mais Iker, mon personnage, il est relativement limité ». Alors oui, si vous êtes un OTP sur un personnage et que vous ne jouez que lui, vous allez apprendre à gérer tous les match-ups, c'est-à-dire vraiment à 100% toutes les situations de votre pick. Forcément, si vous voulez être un joueur polyvalent et jouer tous les rôles, c'est plus intéressant de se concentrer sur les picks qui sont sur le papier plus forts, car ils ont des kits de sort plus intéressants. Donc bien évidemment, cette vidéo n'est pas là pour vous imposer une vision, et juste pour donner des picks que moi je considère comme étant safe, et puissant et intéressant à apprendre à maîtriser. Je ne suis pas en train d'insulter vos mères, donc n'insultez pas la mienne dans les réponses que j'ai sous les vidéos tier list. Calmez-vous, n'oubliez pas que ça reste un jeu vidéo et que là, je vous donne juste mon avis. Un avis qui n'a pas plus de valeur qu'un autre. Peut-être que mon avis dans Smite a plus de valeur qu'un autre, mais mon avis en général dans la vie n'a pas plus d'intérêt qu'un autre. Forcément, si on parle à quelqu'un qui s'intéresse à un sujet, c'est toujours plus intéressant que quelqu'un qui ne s'y intéresse pas. Moi, je m'intéresse beaucoup à Smite, donc je vais essayer de vous donner mon avis sur les assassins intuables. Vous savez, ces petits êtres qui vous one-shot et qui repartent tranquillement dans l'ombre sans jamais mourir en échange. Eh bien, on va essayer de faire une tier list des assassins super safe aux assassins qui ont une bonne survivabilité, qui sont moyens, qui sont faibles, voire qui sont nuls. C'est parti, on commence par Arachné. Alors Arachné, c'est un personnage qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'un des assassins avec le meilleur win rate du jeu. Et oui, tout win rate confondu, si vous regardez l'arène, le slash, la conquête, normal, vous verrez qu'Arachné est extrêmement haut. Déjà, elle est extrêmement jouée, elle est beaucoup jouée par les gens, parce que c'est un personnage qui est assez simple à prendre en main. Son kit de sort est assez simple, on va se dire, je vais garder mon outil pour me barrer, point barre. Et puis vous gardez votre outil pour vous barrer. Donc elle a une survivabilité qui n'est pas nulle. Mais elle n'a pas une survivabilité si gigantesque que ça. Puisqu'en fait, dans principalement le mode conquête, qui est le mode compétitif, Arachné, on peut la suivre. En fait, son ulti est un demi-escape. Il permet de passer à travers certains murs pour quand on retombe, mais surtout, on peut le suivre. Donc je dirais qu'Arachné a une survivabilité moyenne, voire faible. Le semi-rework qu'elle a subi récemment, qui fait que son stun s'applique extrêmement rapidement, la fait passer, à mon avis, d'une survivabilité relativement faible à une survivabilité moyenne. Voilà pour Arachné ce que j'en pense. Ce n'est pas une énorme survivabilité, mais c'est une survivabilité correcte. Rappelons que son ulti l'immunise au contrôle et qu'elle a du heal sur son 1 et qu'elle a un stun sur son 2 qui lui est relativement correct. Un stéroïde de vitesse de déplacement quand elle déploie son 3. Et oui, dans la traînée de votre 3, vous vous accélérez un petit peu en vitesse de déplacement. Donc je dirais que c'est moyen. Partons maintenant d'Awilix. Awilix, c'est un personnage extrêmement puissant dans la méta. Elle a été trop up, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de sa survivabilité. Déjà, pas d'immune contrôle quand elle appuie sur ulti, mais Summon Suku qui ne peut ne pas avoir de CD. C'est-à-dire qu'on a un stéroïde de vitesse de déplacement permanent tant qu'on ne décide pas d'appuyer sur le saut. Vous pouvez cancel quand vous êtes sur Suku en appuyant sur le clic droit de votre souris ou sur le bouton cancel sur une manette, je sais pas ce que c'est. Ça vous permet d'avoir un stéroïde de vitesse de déplacement permanent, donc tant que sous la condition de ne pas utiliser le saut. La deuxième chose, c'est que quand elle saute, ça permet de passer à travers les murs. Donc c'est relativement correct. Elle a quelques immunités quand elle est sous ulti, mais elle n'est pas immune contrôle. Elle a enfin un 2 qui lui permet d'avoir une sorte d'égide. Au moment où elle fait son saut périlleux, quand elle est en l'air, si imaginons il y avait un Kraken sous ses pieds, elle ne prendrait pas les dégâts du Kraken. Le High Monster de Scylla ne ferait pas de dégâts. Donc elle a quand même une sorte d'égide intégrée à son kit de sort. Ce qui en fait un personnage, mais on le sait tous,
tous les joueurs d'Awilix le savent, jouer dans un teamfight 5 contre 5 en late game quand on n'est pas archi feed, c'est pas si simple que ça de jouer à Awilix, si on n'a pas des contrôles ou des knock-up mis par les autres alliés, quand on est vraiment dépendant de soi-même. Donc j'aurais tendance à mettre Awilix en moyen également. Ce n'est pas nul, mais c'est pas hyper safe. C'est moyen. Bakasura, quant à lui, a un saut. Il peut manger un sbire ou manger quelque chose pour regagner des points de vie. Il a un saut d'une assez bonne portée. Et enfin, il a un ulti. Un ulti qui crée une zone de cripple qui empêche les gens de sauter. Donc d'une certaine manière, c'est un sort de survivalité. Et en plus, il est immune contrôle pendant 1,5 secondes, je crois. Avant, c'était une seconde. Je crois que maintenant, c'est 1,5 ou 2. Dit aux immune contrôle, au contrôle quand il claque son ulti. Donc il a quand même une survivalité qui est pas dingue, quoi. C'est pas le perso avec le plus safe. C'est un personnage qui... je me suis fait détruire par un Baka hier. Donc je vais le mettre bas dans la tirée. Non, je m'en fous. Mais c'est juste qu'à mon avis, il a une survivalité entre faible et moyenne. Mais pas plus. Elle est pas nulle. Parce qu'il a quand même une frame d'immune contrôle et il a un saut qui permet de passer à travers les murs. Donc c'est relativement correct. On passe à Bastet maintenant. Bastet, en fait, la particularité de Bastet, c'est son pounce. C'est le fait de pouvoir sauter, de pouvoir se déplacer, d'être libre de ses mouvements et de pouvoir, dans les 4 secondes, rappuyer sur la touche et revenir sur la position de départ. Ça permet, on l'a dit, de passer... Ça permet de passer au-delà d'un mur. Ça permet d'avoir une sorte de survivabilité qui est relativement correcte. Ensuite, on a du vol de vie dans le kit de sort, du drain de vie dans le kit de sort. On a également un 3 qui permet de route. Et enfin, on a un ulti qui maintenant contrôle un adversaire, le ramène près de vous, mais surtout, enfin, le ramène près de la position où vous l'avez lancé. Parce que vous ne pouvez pas faire de mécanique pounce. Pounce, je lance l'ulti, je rappuie sur le pounce, je reviens et l'ennemi revient là où j'avais lancé le pounce. Ça serait trop fort. C'est là où vous avez lancé votre ulti. Donc Bastet a gagné une immune contrôle sur son ulti. Pour ceux qui ont connu l'ancienne Bastet, quand elle déployait des chats avec son ulti, que c'était très très fun d'ailleurs, enfin peut-être pas trop pour les ennemis, mais dans certains cas, mais c'était beaucoup moins safe qu'avant. Donc à mon avis, elle est passée de faible faiblard, c'est-à-dire vraiment la mécanique de Pounce et la mécanique du fait qu'elle puisse revenir sur sa position. On est passé d'un personnage qui peut faire ça, plus qu'il peut route avec son 3, plus qu'il peut immune contrôle pendant assez longtemps pendant son ulti. Donc je pense qu'elle est passée de faible à moyenne avec son rework. On passe ensuite à Kamazotte. Kamazotte, c'est un des dieux emblématiques de la SPL, de la Spite Pro League depuis qu'il est sorti. Il a longtemps été joué solo, il a longtemps été joué en jungle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur un personnage qui a un drain de vie phénoménal. Donc le drain de vie, c'est la capacité à régénérer ses points de vie. Quand il est en jungle ou quand il est joué en solo, il est très très fort. Il a des mécaniques de heal sur son 2, des mécaniques de 1 sur son passif, des mécaniques de heal sur son 3. Donc ça fait beaucoup. Le défaut de Kamazotte, c'est qu'il n'a pas de contrôle. Mais on n'est pas là pour parler de contrôle, on est là pour parler du côté safe. À la base, Kamazotte avait un tout petit saut qui faisait une portée de 15, je crois. Et maintenant, c'est une portée de 35, je crois. Ça lui permet de passer à travers certains murs. Ça a complètement dynamisé le personnage. Je trouve qu'il était plutôt moyen, voire faible à sa sortie. J'aurais plutôt dit moyen à sa sortie parce que son ulti permet de temporiser quand même assez longtemps. Hein, c'est cette on vole dans les airs, on est immunisé au contrôle, aux dégâts, on fait ce qu'on veut et on peut faire des pics qui fait des dégâts. Et on redevient jamais ciblable tant qu'on n'a pas fini l'ulti. Donc c'est un personnage qui, à la base, avait sans doute une survivabilité moyenne ou bonne survie. On est passé à un personnage super safe. Vraiment, Kamazotte est... L'un des assassins les plus safe du jeu. Alors pas forcément l'un des plus forts en termes de dégâts, en termes de tout ce que vous voulez, mais par contre c'est assez safe. Il suffit juste d'utiliser un pic et ensuite on vérifie si on fait pas deux pics pour se barrer, on a le saut derrière, on a récupéré le Z, donc on a récupéré du sustain, etc. Donc j'aurais tendance à le mettre en super safe. Cloudna n'a pas d'immune contrôle sur son ulti, ça serait trop fort, mais elle peut rentrer dans les murs. Elle peut rentrer dans les murs. Ce qui la condamne quand même un petit peu à devoir en ressortir à un moment parce qu'elle sacrifie des points de vie. Et enfin, elle a un dash qui est extrêmement long quand elle sort d'un mur. Mais le problème, c'est que si on sort d'un mur et qu'on utilise le dash, on n'a plus de survivabilité. On peut mourir très très facilement. C'est à ce moment-là qu'il faut énormément punir une Cloudna parce qu'elle vient d'utiliser son dash et son sort dans le mur. Elle ne peut plus rentrer dans le mur et elle ne peut plus dash. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Est-ce que c'est ultra safe? Je dirais que non. Est-ce que ça a une bonne survivabilité? Je dirais que non. Est-ce que c'est moyen ou faible? C'est un peu entre les deux.
j'aurais tendance à la mettre à côté de Bakasura parce qu'elle n'a pas cet immune contrôle. Baka l'a, mais Clodna a quand même le fait de pouvoir rentrer dans le mur et un dash, donc c'est un peu similaire. Certains la mettraient en parallèle avec Arachné, j'aurais tendance à mettre à ne pas oublier qu'Arachné a un stun, a un stéroïde de vitesse de déplacement sur son 3, a un ulti qui permet d'être immune contrôle, d'être immune dégâts pendant très longtemps et de sauter à travers un mur. Donc j'aurais tendance à mettre Arachné légèrement devant. Aulix devant Clodna et Baka. Le fait d'avoir le Summon Suku permanent, le fait de pouvoir passer à travers un mur, avoir quelques immunités pendant l'ulti, et Bastet devant aussi. Bon, pour le moment, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est vrai que la fenêtre entre moyen et faible est petite. On passe à Deiji. Bon, Deiji, très clairement, je suppose que vous serez tous d'accord pour dire que Deiji a le palmarès de l'assassin le plus safe au monde. Pourquoi ? Parce qu'elle peut sauter sur n'importe quoi. Avec son 3, elle peut sauter sur un dieu, elle peut sauter sur un sbire, elle peut sauter sur un bastion, elle peut sauter sur un allié. Donc ça, c'est très fort. Bien évidemment, il faut pas que l'allié ou le truc se rapproche de vous, parce que sinon, vous faites un saut d'un mètre. Alors, c'est toujours le souci. Mais c'est comme avec Kiriko, d'ailleurs, c'est le même sort que Kiriko dans Overwatch. Ensuite, vous avez quoi ? Vous avez le 2. Le 2, c'est un stéroïde de vitesse de déplacement. Mais c'est que ça ? Non, c'est également une diminution de dégâts quand on vous tape. En gros, si vous montrez votre cul avec Deiji à vos adversaires vous font beaucoup moins mal. Vous avez une DR intégrée au fait qu'ils tapent le dos de votre personnage. Donc ça, c'est une mécanique également assez forte. Plus le stéroïde de vitesse de déplacement. Le saut permet également, le 3 permet de passer à travers les murs. Et l'ulti, c'est un ultirama couplé à un ulti-ares, entre guillemets. Couplé à un escape encore derrière. C'est-à-dire qu'on est d'accord, quand Deiji elle appuie sur ulti, elle est tranquille ou bilou, en haut d'un pilar, et elle tire au sniper pour vous forcer vos purifs et vous faire des dégâts. Mais en plus de ça, quand l'ulti se termine, ça vous ramène, ou vous êtes obligé d'utiliser une purif, mais en plus Deiji ne tombe pas à l'endroit du pilar, elle a encore un petit saut qui lui permet de partir dans la direction qu'elle souhaite. Ça permet également de temporiser la récupération du 3. Donc on est vraiment sur un sort long, c'est chiant d'attendre une Deiji qui sort de son ulti, on ne sait pas si on va réussir à la punir, etc. etc. Donc Deiji est vraiment ultra, ultra, ultra safe dans son kit de sort. Fenrir maintenant. Fenrir, on redescend un petit peu. On a une immune contrôle assez longue pendant l'ulti, c'est vrai. On peut choper quelqu'un, on est immune contrôle, mais on prend les dégâts. On a des protes en plus, de mémoire je crois que c'est toujours comme ça, mais il y a eu des reworks sur Fenrir. On a un stun sur le 1. On a un vol de vie sur le 2. Je dirais qu'il est moyen, Fenrir. Il est assez proche de ce que peut être Bastet, Arachné, Aulix. Peut-être en légèrement mieux. Donc peut-être premier de moyen, mais assez proche de bonne survivabilité. Dans le sens où, rappelons quand même une fois, si vous sautez sur quelqu'un avec le 1, sur un dieu, vous réduisez le CD du saut. Donc vous avez quand même votre saut assez souvent. Donc il est entre moyen et bonne survie. On verra qui on mettra en bonne survie. Mais j'aurais tendance à mettre Fenrir un petit peu entre les deux. Donc on va mettre bonne survie. Bats maintenant. Bats, c'est un peu dur. Il est, à mon avis, copain-copain comme cochon avec Bastet à Willy Sarakne. Mais est-ce qu'il est plus safe que Clodna ? C'est compliqué. Bats a deux sorts de survivabilité. Son ulti, foutre un ulti dans la gueule de ses adversaires quand il veut se barrer, ça lui donne quand même un petit peu de temps pour se barrer. Saute son saut avec son 1 lui permet de se barrer. Il n'est pas immune contrôle, contrairement et comme Clodna, et Bakasura lui est immune. Bast, il n'est pas immune contrôle comme Aulix, mais il n'a pas le côté permanent, le 2, etc. Donc Bats, je le verrai plutôt en moyen, mais moyen faible. Et je le mettrai quand même devant Clodna, parce qu'il y a côté soupape de sécurité peut-être un petit peu plus facile. Voilà. Mais il est soit là, soit là. C'est assez proche. C'est assez proche entre eux. Il est moyen, Bats. Kali, là, on risque d'être pas tous d'accord là-dessus. Kali, rappelons-le, pendant son ulti, elle n'est pas immune au contrôle. Elle n'est pas immune aux dégâts non plus. Elle est immortelle, comme Tridamer dans, dans,
dans League of LoL, elle ne peut pas mourir en fait. Il faut, si on la tombe, elle ne peut pas tomber à 0 HP, donc elle ne peut pas mourir. Elle est immunisée, on le rappelle, aux routes, au ralentissement et au knock-up. Donc si elle se fait belly flop par Bacchus, ça marche pas. Si vous essayez de la 1 avec Nox, ça marche pas. Si vous essayez de la 6ème avec Scylla, ça marche pas. Donc on va dire qu'elle peut avoir une bonne survivabilité contre certains personnages. Comme à Willix d'ailleurs. Mais contre certains autres, ça va pas du tout marcher. Puisque en fait, elle va se prendre des contrôles. Elle va se prendre un stun en boucle. Et elle pourra pas jouer. Donc ça dépend un petit peu. Elle a un saut qui lui permet de passer à travers les murs et de régénérer des points de vie sur les cibles qu'elle tape si elle saute sur quelqu'un qui a peu de points de vie. Elle a un stun. Donc elle est moyenne, faible. Je dirais quand même qu'on va la mettre dans moyenne. Mais moyenne, moyenne haute, plus safe que Bats, sans doute. Plus safe que Bastet, à voir. Donc je vais la mettre là. Elle est moyenne, Kali. Passons maintenant à Lancelot. Lancelot, rappelons quand même que Lancelot, il y a deux phases. Il y a la phase début de partie, où il n'a pas encore beaucoup de points dans son 3. Et donc son shield de son 3, il est plutôt à chier. Rappelons que le shield, c'est quand il monte sur sa monture, il gagne alors un bouclier. Ce bouclier, il l'a de deux façons, en montant sur sa monture avec son 3, ou en appuyant sur ulti. Donc en late game, un Lancelot va falloir lui péter son shield deux fois. Il flash, il fait son 3, il utilise sa monture, et il va falloir lui péter son shield, et ensuite il va ulti, et il aura encore sa monture. Donc il a quand même une bonne survivabilité. L'ulti, c'est un dash, donc ça permet pas de passer à travers les murs, mais ça minimise au contrôle. Et surtout, il crée une zone où il cripple les ennemis. Donc si les gens veulent sauter, ils doivent d'abord sortir de la zone pour pouvoir sauter. Donc j'aurais tendance à mettre Lancelot en bonne survie en late game. Mais en early, attention, il est très fragile. Mais on parle du kit de sort dans son intégralité, donc on va essayer de s'efforcer de penser au personnage quand il est level 20. Donc on va mettre Lancelot en bonne survivabilité. Mais attention, en early ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Loki, on est très clairement sur un personnage qui est immune contrôle, immune au knock-up quand il fait son 3. Ça peut être utile dans certains cas. Ensuite on a un 2 qui peut body block. Voilà le petit faux Loki, le petit decoy. On appelait ça decoy quand Loki n'avait pas été rework. Vous avez également un outil qui immunise contrôle, qui permet de passer à travers les murs. Et vous avez une invisibilité qui n'est, attention, qu'une invisibilité comme Morrigan, qui n'est juste une invisibilité. Puis ensuite, vous avez une accélération de vitesse de déplacement. Vous ne sautez pas, vous ne dashez pas, contrairement à Haokong par exemple, etc. Donc, ce n'est pas l'escape de l'année non plus son 1. Donc, Loki, j'aurais tendance à le mettre en bonne survie, en late game, quand il a beaucoup de CDR et qu'il a son outil tout le temps. Ça reste quand même une bonne survivabilité, mais il faudra faire attention. Un Loki, il ne faut pas utiliser son 1 et son outil en même temps, parce que vous n'avez plus de survivabilité derrière, vous pouvez être puni. Donc j'aurais tendance à mettre Loki en bonne survivabilité. On passe maintenant à Mercury. Mercury, ça, à mon avis, c'est plutôt une bonne survivabilité. Pourquoi ? Parce que vous avez un Sonic Boom qui vous immunise contrôle et immunise, enfin qui vous permet de bouger. Donc c'est deux choses très importantes. Vous avez un 3 qui est un peu dangereux parce que si quelqu'un se met derrière vous, vous allez quasiment pas dasher, mais vous pouvez le balancer quand même. Vous synergisez plutôt bien avec les items de vitesse de déplacement, donc j'aurais tendance à mettre une bonne survivabilité, à le mettre quand même devant Awilix, devant Kali, devant Arachne. Nemesis, c'est pas si folichon que ça en termes de survivabilité. L'ulti n'aide en rien. Il va permettre de voler des stats. On va voler des protes. On va voler de la. On va mettre de la vitesse de. On va avoir un stéroïde de vitesse de déplacement. On a un shield qui est très fort à condition que les adversaires n'ont pas de contrôle. Donc bien évidemment, contre une Nemesis, il faut toujours attendre qu'elle shield pour lui mettre le stun à ce moment-là ou un contrôle pour lui retirer son shield instantanément. Et enfin, la 2 double dash, ça ne permet pas de passer au-dessus des murs. Donc c'est pas folichon. Elle n'a pas d'immune contrôle sur son outil. Je dirais que Nemesis est un personnage faible en termes de safitude, survivabilité. Donc difficile à jouer Nemesis, mais pourtant très très fort, bien maîtrisé. Naja maintenant. Naja, c'est fait partie un petit peu de la même école. Pourquoi ? Naja, pour moi, a une survivabilité moyenne.
mais c'est pas folichon. Attention, quand vous jouez Naja, vous ne devez pas tomber derrière. Parce que si vous commencez à devoir balancer des ultis out, votre perso devient inutile. Parce qu'on le rappelle, l'ulti de Naja, c'est quoi ? C'est on fonce vers une cible, on fonce vers une position en étant immune contrôle. Donc on a une petite frame d'immune contrôle et on dash. Si on touche un dieu, on s'envole avec lui et on le tape 3 fois, permettant de faire des crits, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Donc l'ulti Naja, il s'utilise en PVP. Si on l'utilise dans le vent pour survivre, c'est un peu une perte de temps. Donc Naja est bel et bien un personnage qui a un ulti puissant, mais derrière, n'a pas d'autre sort. Le 1, on le rappelle, ralentit la vitesse de déplacement, accélère la vitesse de Naja. Le 3 est un sort d'initiation, pas un sort d'escape. Il ne peut pas passer à travers les murs. Donc Naja est entre faible et moyen. Je pense que je vais le mettre en moyen. À côté d'Arachné, tout ça, c'est pas la panacée. Hein. Moi, je suis assez d'accord pour dire que Arachné, Awilix, Kali, Bastet, Bat et Naja ont des survivabilités qui sont correctes, mais dans certaines situations, ça va être délicat. Donc c'est pour ça que je trouve qu'ils sont plutôt super moite-moite. Pélé ? Pélé, je vais être un petit peu plus dur. Je pense que c'est faible, Pélé, en termes de survivabilité. Je m'explique pourquoi. Bah parce que quand une Pélé utilise son ulti, comme Naja, pour PVP, ça va. Mais si elle l'utilise dans le vent pour se barrer, c'est un peu de la merde quand même. Hein. Il reste plus grand-chose sur le personnage. Je trouve que Naja, sans son ulti, est plus impactant en late game qu'une Pélé sans son ulti. Donc j'aurais tendance à la mettre en faible. Elle ne peut pas passer à travers les murs. Elle a un stéroïde de vitesse de déplacement sur son 3. Elle a une contrôle sur son ulti. Je vais la mettre en faible. Mais elle est quasiment en moyen. C'est pour ça que je la mets là. Ravana. Ravana, c'est un personnage extrêmement safe. Bonne survivabilité. Mais qui est dépendant de son ulti pour survivre. Tout comme Kamazote. Mais Kamazote a beaucoup de sustain. Le 2 de Ravana est intéressant, il a du slow sur le 1, il a un heal sur le 3 et un root. J'aurais tendance à le mettre entre super safe et bonne survie. J'ai pas envie de mettre de personnage en super safe, donc je vais le mettre en bonne survie. Parce que très clairement, un personnage super safe dans le jeu, c'est Serket. Pourquoi Serket est super safe ? On a un sort de temporisation pendant son ulti qui l'immunise contrôle. On a un 3 et on a un 1. On a 2 escapes et un sort qui immunise contrôle. Donc on est quand même sur un personnage assez safe. Pas forcément simple à jouer, hein. Ça ne veut pas dire que c'est puissant, etc. Mais par contre, c'est vrai que ça a tendance à peu mourir. Le défaut de Serket est le suivant. Elle a besoin de CD. Donc il faut toujours rush une colère de Jotun sur Serket. Si on veut la jouer jungle et si on veut la jouer support, on rush un Prideven rapidement. Pour pouvoir stacker très rapidement de la CDR. Avec la colère de Jotun à 20% de CDR et avec le Prideven à 20% de CDR, vous allez ainsi récupérer vos sorts rapidement et être beaucoup plus versatile avec ce personnage. Notez que quand elle était sortie, c'était n'importe quoi, elle avait ses sorts vraiment beaucoup trop souvent, donc elle était beaucoup trop safe. On passe à 7 maintenant. Et bah 7, les petits potes à la compote, c'est pas folichon. L'ulti n'est pas dingue, il immunise pas au contrôle, bah heureusement, hein, sinon il serait immune contrôle pendant une demi-heure comme Vamana. Mais il a un escape qui a quand même une bonne portée, je crois que c'est 70 hein, le saut. En gros, on pose une engeance et une engeance posée, on peut se téléporter dessus. Donc c'est assez safe. C'est un personnage, enfin c'est assez safe comme mécanique, mais c'est tout quoi. Il y a que ça. Donc je dirais que 7 est plutôt faible en termes de survivabilité. Je pense qu'il est à côté de Bakasura, Nemesis, Lona, tout ça. Susanoob a une bonne survivabilité. Son énorme défaut, et là où vous pouvez vraiment le punir, c'est sur les contrôles. Il n'a pas d'immune contrôle quand il appuie sur ulti, contrairement à Mercury, contrairement à Arachné. Donc pour moi, il ne peut pas être dans les premières places de la bonne survie. Mais quand même, rappelons quand même que l'ulti Susanoo, c'est un contrôle sur les adversaires, qui est Ectocup. Il a un 3 qui permet de se téléporter soit dans le vent, soit sur un allié, soit sur un ennemi. Donc il peut suivre quelqu'un à travers un mur. Donc voilà, ça peut parfois le sauver. Et il a un dash sur le 1. Donc je dirais qu'il a une bonne survivabilité. Mais attention, il est entre moyen et bonne survie. Donc il est dernier de la bonne survie. Le petit écureuil maintenant, nordique, Ratatosker. Ratatosker, c'est très clairement un personnage. Roulement de tambour. Super safe. En fait, on est sur un personnage extrêmement safe. En plus, pas très dur mécaniquement. Parce qu'en fait, je dis tout le temps que Rata, c'est le Thor 2.0. En fait, c'est un Thor-like
qui a un peu le même mécanique que Thor, mais en étant plus simple en fait. Hein. Le Mjolnir, il n'est pas là sur Rata. C'est un dash vers l'avant. Le 1, donc regardez, le Mjolnir de Thor, c'est un dash vers l'avant. Le Mjolnir, c'est un dash vers l'avant, enfin, qui peut servir de saut. Ensuite, vous avez le 2. Le 2 de Rata, c'est le tourbillon, c'est le 3 de Thor. Et le 3, c'est le stun. Ouais, le 3, c'est le mur. Voilà. Et ensuite, l'ulti, c'est l'ulti. Les deux ultis se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui retombe stun, l'autre knock up. Mais sinon, ça fait un peu la même chose et ça traverse à peu près la même distance. Mais Rata est plus facile à jouer, je trouve, que Thor mécaniquement. Et donc, c'est un personnage extrêmement safe parce que là, il a sur le 1 un slow, un dash, qu'il permet en plus, rappelez-vous que mécaniquement, Ratatosker récupère les CD de son dash quand il tape avec les autres sorts. Je crois avec le 2 et avec le 3. Donc, il n'a pas énormément de CD dessus. Il a un ulti qui est très safe, il a un stun. C'est un personnage qui a de la vitesse de déplacement sur chacun de ses acorns, chacun de ses glands, je crois qu'il y a de la vitesse de déplacement dessus. Donc il est extrêmement safe, donc j'aurais tendance à le mettre en super safe. Et en fait d'ailleurs si vous reconnaissez, Deiji, Kamazot, Rata, c'est des assassins qu'on voit en pro depuis qu'ils sont sortis quasiment, parce que leur kit de sort les rend trop safe. Thanatos. Thanatos, il y a plusieurs écoles, j'ai tendance à le mettre en moyen. Certains le mettront en faible, mais tout de même, avec beaucoup de CDR, l'ulti, tu l'as très, très, très souvent. Et ce qui fait qu'en fait, bah, ça devient une soupape de sécurité. Donc, j'aurais tendance à le mettre en moyen faible. Lui aussi, tout comme Naja, est plutôt dans la fin des moyens que dans le haut du moyen. Thanatos, rappelons-le, est immune contrôle et immune dégâts pendant son ulti. Attention, quand il a décollé, avant, il prend quand même une petite sauce. Il a énormément de vol de vie avec son sight. Et il synergise bien avec la partie PVP de cette saison 11 qui fait qu'il se sustain beaucoup. Il a un silence. Mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça à jouer en teamfight. Donc il ne peut pas être au-dessus. Il ne peut pas être mis en bonne survie. Il ne peut pas être mis en super safe. C'est difficile à jouer. On passe à Thor maintenant. Thor est un personnage qui a une très très bonne survivabilité. Si on dit que Rata et Thor se ressemblent, c'est très clairement qu'ils doivent être assez proches au niveau du côté safe. Oui, sauf que Thor, le problème c'est que Thor doit toujours réfléchir entre utiliser son Mjolnir offensivement ou utiliser son Mjolnir défensivement. Donc il a une très bonne survivabilité Thor, une immune contre l'une demi-heure, des immunes contre, une immune au knock-up pendant son 3, il a un stun, il est entre bonne survie et super safe. Il est à deux doigts d'être en super safe, mais je suppose qu'on doit le mettre un petit peu plus bas que Ratatosker. Mais voilà, il fait partie des 5 meilleurs dieux en termes de survivabilité, je pense, du côté du jeu. C'est très chiant à gérer un Thor, c'est très safe, c'est très difficile à buter. Mais rappelez-vous, mardi, donc il y a deux jours, a été réduit, a été augmenté, le CD du Mjolnir de 12 à 14 secondes, et ben ça le rend moins safe. Donc je pense que si j'avais fait cette tier list avant, il aurait été en super safe, mais avec le changement sur le Mjolnir, 2 secondes c'est quand même beaucoup. Et eh bah, ben, je vais le mettre en bonne survie. Et on termine avec Tsukuyomi. Tsukuyomi, qui est un personnage nul en survivabilité. Il a juste une immune dégâts et une immune contrôle, même pas pendant toute la durée de son ulti. Et surtout, il n'a pas d'escape naturel. Il n'a pas de saut qui permet de passer à travers les murs. Alors, son ulti permet de passer à travers les murs, mais c'est comme Tchernobog. Il va forcément finir sa course devant. Mais notez quand même qu'une chose de Tchernobog, c'est que Tchernobog, il peut ulti sur place et retomber sur place. Comme Nout. Comme Rabat. Plutôt. Tsukuyomi, s'il touche quelque chose, il se téléportera forcément dessus. C'est pour ça que c'est un personnage extrêmement nul en safeitude. C'est vraiment absolument pas, c'est l'opposé du safe. C'est juste, en plus, pas facile à jouer. Et voilà, il est trop limité. Il a juste son ulti. Et c'est pour ça que je le mets plus bas que terre. Désolé pour les mains Tsukuyomi. Le personnage ne m'est pas du tout antipathique. C'est vraiment le kit de sort qui est à l'opposé de ce que je trouve correct sur un assassin qui doit pouvoir rentrer et ressortir du fight. On est vraiment à l'opposé de ça avec Tsukuyomi. Sans doute, c'est plutôt cool parce que c'est bien d'avoir des dieux différents. Hein. C'est bien de ne pas avoir tous le même kit de sort, un saut, une immune contrôle sur l'ulti, etc. Bien évidemment, il ne faut pas que le jeu ressemble à ça. C'est pour ça que je trouve que Tsukuyomi est quand même cool dans sa démarche parce qu'il peut faire mal de loin, relativement mal de loin. Il a un stun, mais pour moi, il n'est absolument pas safe. Donc, j'aurais tendance à le déconseiller si vous voulez chercher un personnage qui a une grande survivabilité dans Smite.
Voili voilou les petits potes à la compote pour cette vidéo. On a fait les assassins intuables, on a fait les mages et les ADC. J'espère que ça vous plaît. C'est à mon avis les trois rôles qui sont les plus pertinents. Avoir des guerriers super safe et des gardiens super safe. Rappelons quand même que c'est souvent leur itemisation qui vont les rendre plus safe que d'autres. Mais voilà, les assassins, les mages et les chasseurs c'est fait. Ce sont souvent des personnages qui ont tendance à mourir car ils sont build full dégâts. Mon top 4, mon top 5 est donc Deiji, Kamazot, Serket, Ratatos, Kurtor. Je trouve qu'ils sont vraiment, ils font vraiment partie des personnages, les assassins les plus safe du jeu. Pas forcément les plus simples parce que Thor mécaniquement c'est pas facile. Je trouve Serket plus difficile que Deiji par exemple ou Kamazot ou Rata. Donc voilà. Bien évidemment ce n'était pas, je le rappelle, une tier list pour parler des persos en puissance et des persos en méta. On parlait juste plutôt du kit de sort, les CD des sorts, le fonctionnement du personnage, etc. etc. Les vidéos tier list, il y en aura bien évidemment qui reviendra, peut-être avec le patch 11.3 ou le patch 11.4, on refera une vidéo tier list des personnages dieux les plus forts de la méta, puisqu'il y a quand même des petites évolutions au fil des patchs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous préfériez, pourquoi vous trouvez ce personnage plus safe que, ce que là où je l'ai mis. Si vous êtes relativement d'accord aussi, n'hésitez pas à le souligner de manière courtoise et gentille, et on se retrouve nous demain. Pour une nouvelle vidéo de Smite, ça sera sans doute une vidéo sur Smite 2 avec le deep dive qui sort tous les jeudis soirs. Des bisous, ciao et à demain.